Bon, souvent j'ai des jeunes qui viennent me voir parce qu'ils savent que j'ai de l'expérience et qui me demandent, voilà, quels sont les conseils que tu peux me donner pour ma première fois? Comment est-ce que je fais pour pas cracher en 2 minutes? Comment est-ce que je fais pour tenir plus longtemps, etc., etc. Puisque vous me parlez déjà technique, je vais vous parler exclusivement technique. Il n'y aura aucun romantisme de ma part. Bon, la technique de base, c'est la branlette, soit la veille au soir, soit quelques heures avant votre rendez-vous de baise. Deuxième chose. Étant donné que votre corps y sera sensible pour cette première fois, je vous déconseille de vous faire sucer avant de baiser. Si vous faites sucer avant de baiser, votre excitation elle va être tellement grande que quand vous allez baiser, vous n'allez pas tenir. Donc pour la fellation, niveau timing, faut le mettre à la fin. Ensuite, avant de baiser, moi je vous conseille un autre truc. C'est que faut dilater la chatte de la fille pour éviter que ce soit trop serré. Comment on fait ça? C'est très simple. Vous la doigtez, et plus vous la doigtez, plus vous commencez à y aller rapidement. Et sa chatte, elle va se dilater. Par conséquent, après, quand vous allez baiser, ça sera moins serré. Et vous augmentez vos probabilités d'être endurant. Autre chose, si vous avez fini rapidement, c'est pas grave. Faut pas vous dire, bon, bah, ça y est, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi et autres? La séance, elle n'est pas terminée. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur comment être endurant, voilà, je vous rappelle une des règles d'or. Pas de temps mort pour la fille. Autrement dit, vous vous occupez d'elle. Vous la doigtez, vous lui faites tuni, vous lui faites ce que vous voulez, mais pas de temps mort. Même si vous n'avez pas tenu très très longtemps, elle, ce qu'elle verra, c'est que vous avez continué de vous occuper d'elle après. Donc pour elle, c'est bon. Maintenant, avec ces 4 conseils, vous avez de quoi faire.